Pierre-Antoine Gillet, tu as récemment été élu parrain des Arrêts de J. Est-ce cela qui t'a motivé ce soir? Ça m'a permis de faire un bon match, donc oui, il faudra me donner des bonnes nouvelles plus souvent. Je ne sais pas si c'est ça, mais ça me fait plaisir en tout cas de l'être. Et je pense que ça va être une bonne année. On a vu un grand fighting spirit sur le terrain. Il fallait montrer notre âge. Je veux dire, c'était à domicile. Après notre défaite à Louvain, c'était vraiment le mot-clé. C'était vraiment notre défense, notre agressivité. Et je pense qu'on l'a bien montré. Ça fait du bien, quoi. Cette victoire efface-t-elle la défaite de la semaine passée? Je ne sais pas si elle l'efface. Maintenant, en voyant cette victoire-ci, on peut-être regretter notre dernière défaite. Maintenant, voilà, le championnat est encore long et on va se préparer déjà mentalement pour la semaine prochaine. Donc, voilà. Merci Pierre-Antoine. Wen Boss Mukubu, quel match ce soir? La force de Liège, c'est le collectif? Oui. Ok. Elle a répondu, mais oui, c'est le collectif. C'est le collectif. Je crois que ce sera notre point le plus fort, c'est que chaque match, n'importe quel player, quel joueur peut marquer 20 points ou l'idée, être le leader de l'équipe sur le terrain. Et je crois que ce sera ça la clé de notre succès. Quel a été pour toi le tournant du match? Le tournant du match, je crois que c'est quand on a commencé à mieux jouer en défense. Je crois que BJ a fait une pénétration baseline et il a marqué. Et puis après, 3 points que j'ai marqué, plus la faute, je crois que c'était ça, les deux grandes actions du match. Est-ce que tu as eu peur pendant le match? Non, tu sais, sur mon dos, j'ai un tatouage qui dit « fearless », donc ça veut dire « sans peur ». Donc la peur, c'est pas un truc qui me dit grand chose. Non mais merci Ben. De rien.